dans toute zone ça yo rapidement tout monde qui t'a peine activité là-dedans tout à l'école yo yon côté qu'on chargé ak moun k'ap peine activité business bien que la ville l'a crasé depuis longtemps et pas grand ken projet pour faire centre commercial ak historique Port-au-Prince là mais dans la rue yo c'est petit marchand qui gaillé k'ap vendre tout partout mais tout en pile zak et sécurité chaque jour et toute machine qui qu'on fait centre-ville là était obligé casser tête tourner ça t'a fait direction la lue avenue Poupla et pour éviter mon pas prend balle et qui t'a tiré dans toute direction et juste sous champ de masse et à la papote bon ça les palais national là on écrasé tout pas grand qu'un projet pour construire et monsieur Axamio est arrivé faire mon courir en babal qui était toute zone ça c'est policiers dans département l'ouest yo qui t'ai poursuivi yo et moun qui t'ai vinn et mener activité quelque dans son activité a et gen moun qui t'ai vinn kay docteur qui dans périphérie tout près zone ça yo gen la docteur obligé coucher à terre pour pas de victime prend balle d'après sa reporter nous constaté dans plusieurs zones juste bon 2 heures après-midi nous t'attendé bri balle et cap tirer tout partout en bas la ville. Alors yo te mette du feu et dans occasion ça dans cathédrale transitoire là et puis gagnent tout yon employé journal nouveliste et qui blessé et à cause de situation ça et une situation qui dégénéré et côté gang à Gozam c'est yo cap ferraille c'est yo cap menin dans sa gouvernement sans bacaban ni li caché. Ou pa jan mwen anken nan responsable gouvernement fè anken intervention ni pa anken lòt yo pase structure ki la pou ta défann peyi a et plusieurs ti activité business ont été fermé porte yo tout et n'a parlé de quelques activités formelles la banque ak lòt institution formelle yo fermé porte yo tout toute activité était paralysée en bas la ville là et c'est zam ki t'a chanté nou te parlé ak citoyen ki gen activité li nan rue pavé mais pour raison sécurité il t'a demandé nous garantir l'anonymat l'a témoigné dans micro Beethoven François fils sous ça l'tendé ak ça l'ouais côté situation était terrible et il demandé pour la police tant pi présent pour ta mettre contrôle en bas la ville là entendé commençant ça t'a parlé comme ça dans micro Beethoven François fils depuis avant hier gon la guerre qui était entre nek belé avec nek craché de fait qui donc en bas la ville là impraticable net nek qui arrivé même pour arriver pas gain rien mon café ben c'est pas ca ouvrir même BRH après ça m'entendez que BRH gain la déloger tout ba yo vraiment dans moment n'a parlé à cou là ou dit toujours gain tiré nous gain policier si nek arrivé joindre renfort nous doit gon bagaille yo café yo gain pompier ensemble avec yo tout bagaille paralysé pas gain rien du tout. D'après ça m'entendez t'a assemblé grand pile monde qui mouri. Grand pile monde qui mouri et gen qui gen tombé dans nèg caché du feu côté que yo te rentre côté bal fini nèg belle gen le prince qui donc ça mène un gros guerre jodi à la bagarre la primabiale passé toute l'autre de jours passé. Imaginez toute zone nazon bal a tombé la caille moun a prend bal marron toute rue de la réunion moun a prend bal rue des casernes moun a prend bal ou moun gen moun la lui là qui prend bal marron. Alors au moment des renforts pour qui est-ce pour la police c'est ça? Oui pour la police. Renfort pour la police, renfort. Alors c'est des renforts la police pour aider population. Eh bien situation ça était la cause du employé dans journal le nouveliste imprimeur 2 était blessé et d'après c'est Rodolphe Frankel qui prend balle ça dans dos. Pendant le temps entré justement à travail dans le journal de nouveliste qui chita dans rue du centre dans pointe qui pas tellement loin pénitencier national qui était chauffé toujours dia selon secrétaire rédaction journal ça confrère nous le moine Bono et qui parlait à Radio Kiskeya et d'après Bono et environnement nouveliste c'est qu'est sauté ça avec un pile et qu'est sauté chaque jour équipe là a venir pour venir travail et pour connier là état santé et confrère qui victime dans l'instable d'après ça le moine Bodo précisé pour nous l'attendel qui t'ai parlé comme ça dans le micro Amos Brevin.
Effectivement, c'est Rodolphe Mankel. C'est un graphiste qui est dans les primaires 2. Et matin, aux environs de 9h, il vient de travailler. Pendant la pointe, dans la barrière en primaire 2. Et puis, il prend balle dans le dos. Et puis, immédiatement, le senti, il prend balle là. Et puis, l'autre emploi a été retenu. Il a couru avec elle, il a mené à l'hôpital. Pour l'instant, je prends soin de l'hôpital. L'hôpital, mon père, qu'on a qui est à santé lié, est-ce qu'il est stable ou bien comment? Bon, pour l'instant, Mathieu, la situation est un petit peu inquiétante, mais pour l'instant, la situation est un peu stable, état de santé stable. Mais comment nous, où est-ce ça, aux environs de Nouvelle-Isla, parce que nous parlons en pénitentiaire nationale? Bon, c'est pas seulement jeudi, hein. Nous, depuis avant-hier, en pile coup de la marche de la ville là, il y a des douilles qui viennent tomber juste devant Nouvelle-Isla. Ça veut dire que dans une situation depuis terrible, côté qu'un balle même qui frappe dans toute barrière Nouvelle-Isla, dans barrière primaire 2, dans barrière en l'autre entreprise qui est avant Nouvelle-Isla. Ça veut dire que la situation était vraiment difficile depuis le matin. Vous connaissez tout le monde qui descend de la ville, surtout celle aussi, et on va capable de craindre. Mais dans ces autorités pour responsabilité, pour être capable de faire patrouille nécessaire. Et puis évacuer et permettre que mon cas de travail ou cavaca occupation, même personne pas par exemple à ville là. C'est vrai que ça nous apprend tout près de Nouvelle-Isla, gagner prisonniers qui quittaient ces lieux, il y en a la cour pénitentiaire. Mais pour l'instant situation un petit peu bab dit que ils ont contenu un sac cap fait là, mais les pas même gens par rapport à Jean Lé et vers les 9h, 10h et 11h. Oui. Il y a un autre renfort qui vient et un pile policier maintenant aux alentours du pénitentiaire national. Son emploi est primaire 2, monsieur, il est Rodolphe Frankel. Oui, c'était confrère non et le moine Bono, et journal de Nouvelle-Isla, qui est secrétaire rédaction dans le journal là, qui t'a parlé nous de situation. Et graphiste Rodolphe Frankel qui travaille dans l'imprimeur 2 Nouvelle-Isla, lui prend balle dans dos, lui l'hôpital la prend soya, il dit état li stable pourquoi il est là, il dans moment t'a entré dans travail li, li prend balle marron ça qui t'a chanté en pile balle t'a chanté en bas la ville là. Chargé communication archevêché Port-au-Prince là Père Marc Henri Siméon confirmé nèg exam mettait du feu criminel dans cathédrale transitoire Port-au-Prince là, la cause 20% dans le local la boule en bas flamme du feu et ça dit dans interview le radio Kiskeya Père Siméon qualifié Zaksa d'action criminelle et puis il parlait pourquoi il est là du feu arrivé